What the fuck? C'est quoi ce bordel? Waouh! Épisode 2 de Garten of Banban 6, les amis. J'ai beaucoup trop hâte. Ne perdons pas plus de temps. Continuons cette aventure totalement what the fuck. Et on va bien voir ce qui se passe parce qu'à mon avis, eh ben ça va partir en cacahuète. C'est moi qui vous le dis. On s'était arrêté ici, les amis, avant que Stinger Flynn et Jester nous parlent. Donc c'est parti, let's go. Mon petit Mishmish, il est juste là. On va aller, eh ben directement dans d'autres endroits. Donc la dernière fois, on était parti ici. Eh ben pourquoi pas partir juste ici? Allez, viens, mon petit Mishmish. Je t'emmène par là. On va aller explorer cet endroit. J'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de me faire croquer les fesses, les amis. Mais bon, Mishmish, tu vas m'aider, bien évidemment. Hop, mettez-vous en sécurité. Ouais, je sais. Attends, je me fais déjà engueuler là. Attends. Hop, Mishmish, s'il te plaît. Reste avec moi, mon petit Mishmish, j'ai peur. Ah! Oui! Il y a quelque chose qui. Ça s'est éclairé là! Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'étais en train d'avancer avec Mishmish et là, il y a tout qui s'éclaire d'un seul coup. Oh là, oh là, oh là. Ah, bah c'est éclairé, les amis. Écoutez. Oh là là, il y a des bruits bizarres là. Oh! Ça s'éclaire. Ah bah merci beaucoup. Ah bah alors là. Oh là là là, je sais pas qui c'est qui fait ces bruits, mais arrêtez, c'est pas drôle, ok? Halloween, c'est passé. Allez, moi je vais ici. Ah, ah. Je peux pas aller. Ah, attends. Oh! Oh putain, je me rappelle, mon gars, tu dates. Merci pour la clé, hein. Merci, t'es vraiment super sympa. Hein. Oh là là, comment ça, trois petits points? Pourquoi trois petits points? Je me rappelle plus de son nom, mais je sais qu'il était gentil. Allez, hop, bah il est tellement gentil qu'il m'a donné la carte. Merci beaucoup, mon petit Pépito. On va l'appeler Pépito. Merci Pépito. Allez, on y va. What? Attends, je suis pas une poule, mais qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux gesteurs. Mais non, c'est la moitié. Alors, il y a deux moitiés de gesteurs, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, mec, nous devons nous remettre ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pas une chance. Vos blagues sont terribles. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Vous n'aurez qu'une jambe. Tout le monde pensera que c'est vous la blague. Quand vous sautirez comme un lapin. Nous devons nous remettre ensemble pour éviter cela. Allez, fusion. Fusion, fusionnez-vous. Vous faites valoir un bon argument. Laissez-moi y réfléchir une seconde. Attends, ils vont le faire? Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? What the fuck? Attends, mais c'est un malade, mais il s'est suicidé. Attends, il a fait tomber son pote et il s'est suicidé. Oh là, mais qu'est-ce que c'est? En vrai, c'est drôle, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, mais moi aussi, je vais vous rejoindre, les petits kiki. Je vous rejoins dans l'au-delà. Bon, bah, j'ai peut-être fait une erreur, les amis. Bon, cette fois-ci, les amis, je ne vais pas faire le débile. On est au Potentiality Sector. Un secteur de potentiel. Bon, je sais pas trop ce que c'est, les amis. Écoutez, on va où? À droite ou à gauche? Bon, on va à gauche parce qu'il y a l'interrupteur ici est allumé. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ah, d'accord. Alors, je dois trouver la clé, enfin, la carte. Je sais pas du tout où elle est. Ah, j'ai vu quelque chose là-bas. Il y a un interrupteur. Et du coup, on va devoir aller sur la poutre. Ah, mais non, mais il y a une clé là-bas. Ok, d'accord. Attends, cette fois-ci. Wow. J'ai pas. Oh, il y a un petit chapeau, mon gars. Let's go. Et du coup, il y a un truc qui est juste ici. Mais. Ah, d'accord. Ah, mais il y a un truc souterrain. Let's go. Ok, d'accord. En fait, il y avait un truc souterrain. Allez, viens là, Michel. Il est coincé en haut. Attends, viens par là, mon petit Michel. Ne t'inquiète pas. Je sais que t'as peur du vide. Moi aussi, j'ai peur du vide. Tu vas taper ce petit truc. Je sais pas si je peux l'atteindre. Ah, malheureusement, je pense que je vais pas pouvoir l'atteindre. Ah non, je peux pas, bordel. Bon, attends, déjà frappe ceci, Mishmish. Allez, let's go, on va faire ce qu'on peut, d'accord. Il faut pas trop le stresser, le petit Mishmish, d'accord, les amis. C'est un être sensible, ok. Comment ça, c'est un drone? Ouais, mais un drone, ça a un cœur, ok. Allez, tape ça, Mishmish, et normalement, l'affaire est dans la poche. Let's go. On peut passer, mais du coup, cet interrupteur, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est un truc caché? Mais je sais même pas comment l'atteindre, en fait. Parce que le truc est tellement loin que je peux même pas y aller. Bon, c'est pas grave, les amis, je vais quand même voir. Ah, ici, il y a une petite cassette, bon, on s'en bat les steaks des cassettes, je vais pas te mentir. Moi, je veux juste jouer au jeu, bordel. Et ben, waouh. Oh, bah c'est un... Ah, mais c'est Jester. Attends, mais c'est le debout. Jester? Tu m'attaques pas, Jester, hein? Tout va bien, Jester. Oh, je vais la trouver, la blague parfaite. Non, arrête avec tes blagues, j'ai peut-être perdu une jambe. Mais à la fin, cela en vaudra la peine. Je dois juste m'assurer que je ne perds pas l'autre. Tu fais super peur, bordel, mais je dois m'en souvenir. Absolument plus de blagues sur être piégé dans la poche d'un kangourou. Non, fais pas de blagues, Jester. T'es pas très très drôle, je vais pas te mentir. Il est vraiment super bizarre, ce Jester. C'est. Ouais, t'es vraiment bizarre. Viens, Michel, on va le taper là. Viens, on va le taper un petit coup, Michel. Ah mince, il est reparti. Oh là là, je suis débile, je l'ai fait remonter là. Bon, Jester, on va te laisser tranquille. J'ai pas trop envie d'aller en bas, hein, je vais pas te mentir. On va aller en haut, pourquoi pas. Je crois que je reviens dans l'endroit où j'étais tout à l'heure. Waouh, Banban. Wesh, qu'est-ce que tu fais là, Banban? Attends, attends, attends.
attends, parce que... Bon, allez, vas-y, je vais te voir, parce que comme ça, t'en auras vite fini. Wow, je suis heureux de savoir que vous avez survécu. J'ai déjà vu des cas échapper au confinement, mais rien d'aussi fou. Vous n'êtes pas très bavard, donc je vais assumer que vous êtes ici pour une raison importante. Vous ne risquerez pas votre vie pour être ici autrement. Quoi qu'il en soit, je viendrai avec vous. Non, 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 parce que tout à l'heure, t'as pété les plombs et t'as voulu me manger le derrière, donc... Tu crois que tu me fais peur? Bon, tu me fais un petit peu peur quand même, c'est vrai. Mais bon, est-ce qu'il y a peut-être pas un autre endroit où je suis pas allé? Au moins, il me suit pas. Comme ça, il me casse pas les pieds. Je vais pas vous mentir. Bon, au moins, il me suit pas, les amis. Comme ça, il va pas me casser les pieds. Bon, est-ce que je dois aller en haut? Est-ce que je peux aller en haut même? Ah, mais attends, mais je viens de comprendre. En fait, faut le faire venir ici. Et après, normalement, ça devrait. Attends. Viens par ici, mon petit Mich-Mich. Voilà. Ensuite, tu vas aller par ici. Et ensuite, je remonte. Et je vais le faire taper. Ok, non, non, ok. Je viens de comprendre. Et là, normalement, le truc devrait se trouver en dessous de ça. Et j'ai juste à le faire taper. Oh, mais il y avait même une croix. Oh là là, monsieur. Et en plus, ça fait 3 chez moi. C'est pas possible. Si je fais ça, c'est bon? Non, c'est toujours pas bon. Ok. Ah! C'est bon, let's go. Et du coup, c'est ouvert cette porte. Pour ça, je comprenais pas pourquoi c'était pas ouvert. C'est bon, Ban, je vais pouvoir continuer l'aventure. Ça fait plaisir. Allez, let's go, j'ouvre cette porte. Let's go. Pas un monstre méchant ou quoi, s'il vous plaît? Ouais. Yo! Putain, il m'a fait peur. Mich-Mich, tu peux venir par ici? Attends. Viens par là, Mich-Mich, parce que j'ai très peur. De base, faut pas être dans le noir, les amis. Donc, on va appeler Mich-Mich, comme ceci. Bon, forcément, il se prend la porte, hein, bien évidemment. Moi, j'ai peur. J'aime pas le noir, d'accord? Ah! Ok, d'accord, c'est un escalier. Bon, on va le suivre, les amis. Mais moi, j'ai peur de rester dans le noir, parce qu'ils nous disent de pas rester dans l'obscurité. Mais je veux bien, mais. Mais là, c'est compliqué. C'est un escalier de la mort, ça. Celui-ci doit être également ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'ai peur. Je sens le traquenard. Au moins, je suis accompagné de Michel. Je suis accompagné de Michel. Viens par là, Michel. Au cas où, il nous protégera, t'inquiète. Bon, il nous protégera pas. What? Il y a deux Ban Lina? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, il y a un truc qui va pas là. J'ai Ban, pourquoi je le sens pas du tout? J'ai super peur. Allez, on va ouvrir cette porte, les amis. On se passe pas plus de questions. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais. Alors, cet endroit est très stylé. Voilà, alors son cou, il a eu un problème là. Regardez cet endroit. Cela semble vraiment familier, mais je ne suis pas sûr de savoir où j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Ça te semble familier? Comment ça, ça te semble familier? Tu me fais très peur. Oh là là, mais mec, qu'est-ce que c'est que ce casse-tête? Oh, va y avoir un casse-tête, mon gars. Better start pushing. Ok, donc il y a un truc d'exercice. Ah, mais non, c'est pas une Ban Lina, c'est une statue de Ban. Ok, j'avais pas vu. Bon, il y a un truc avec. Ah oui, je me rappelle de cet endroit avec cette espèce de petite maison là. Ok, je me rappelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai super peur. Il y a des seaux d'eau, ça me fait très peur. Ça me porte pas confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'active ça. D'accord, je peux rien faire dessus. Ok. Michel, j'ai pas l'impression qu'il serve à grand chose. Il y a un truc. Il y a pas un truc d'électricité ou je sais pas quoi là. Il y a un truc qui est allumé là-bas. Ok. Ban égale de la lumière. Ban égale de la lumière. Je peux rien faire. Après, je suis en train de cliquer sur tout. Je ne peux littéralement rien faire. Bah, ça fait plaisir en tout cas. Merci les gars. Oh! Ah, j'ai bougé un truc. Ok, j'ai bougé un truc. Je sais pas comment j'ai fait. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Je crois qu'il faut faire avancer Ban Lina jusqu'à ici, si je ne dis pas de bêtises. Ah, mais non, mais d'accord, mais c'est d'abord celui-là que je devais faire parce que le truc il a aimé. Ok, non, mais ok, d'accord. Je commence à prendre la tête pour rien. C'est pas bon du tout, les amis. Ok, donc je vais faire avancer la statue de Ban comme ceci. Allez, jusqu'ici. En fait, il faut faire de la place pour qu'il arrive juste là. Ok, d'accord, j'ai compris. Je suis pas aussi bête que j'en ai l'air. Hein. Bon, même si 1 plus 1, ça fait 3 chez moi. Voilà. Voilà, comme ceci. Bon, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que forcément, si je fais d'abord celui-là avant celui-là, ça va pas fonctionner. Donc ça, tu bouges. Ensuite, comme ceci. Voilà, tu bouges. Toi, tu te mets là. Et normalement, ça devrait être bon. Let's go. Si c'est pas ça, c'est pas normal. Hein. Bon. Let's go. Ok. Il y en a eu un vert. Oh non, me dis pas que je dois faire ça. Oh lolo, oh punaise. Oh, je vais mettre 20 ans. Oh, je pense que je vais exploser mon clavier. Voilà, ensuite le deuxième qui est juste ici. Je vous jure que c'est long, hein, c'est super long. Ensuite le troisième qui se... Ah non? Ah, je pensais que ça allait être là. Ah, bah merci. Ah, bah voilà. Bah alors, lui, c'est super simple, les amis. Ça va être tranquille. Ah, ouais, non, c'est vrai que lui, c'est un petit peu plus compliqué. Ah là 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 là. Ah là, comme ceci. En fait, non, c'est super simple. En fait, franchement, c'est assez simple, les amis. C'est juste, ça prend un petit peu de temps. Mais vous inquiétez pas. Wissam, il est pas aussi bête qu'il en a l'air, ok? Et normalement, Ban va pouvoir passer. On dirait Ban Lina. C'est pour ça qu'à chaque fois, des fois, je me trompe. En même temps, c'est une statue de Ban. Ce n'est pas Ban Lina. Ok, let's go. Faut le faire revenir tout là-bas.
Et le dernier, les amis, normalement c'est bon, dites-moi que c'est bon. Oh, tu sais, il y avait un truc là-bas. Je sais pas si j'ai loupé un truc, mais c'est vraiment super bizarre. Bon, du coup, ça a ouvert ce truc-là. Merci pour la carte et on va pouvoir se barrer d'ici. Attends, du coup, la carte... Ah oui, ok, ok, il y a un interrupteur juste ici. Donc hop, hop là, nickel, comme ceci. Ça ouvre ça. Et c'est génial, let's go. Attention, bad banan, je t'ai à l'œil, hein. Watch avec out. Ta langue qui pendouille. Oh là, attention. Qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que ça fait ici? Quoi? What? C'est quoi ça? Il y a un truc qui a sauté là-bas? Alors, je sais pas. Il y a eu un truc qui a sauté là-bas? Je sais pas trop ce que c'est, écoutez. On va... C'est presque ouvert. Comme ça, c'est presque ouvert. J'ai un truc. Attends, attends, j'ai oublié un truc. Super bizarre. Oh! Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hey, ah! Est-ce que ce type là-bas est un de vos amis? Et quel gars? What the fuck? C'est quoi ça? Vous pouvez lui dire descendre maintenant! Eh, vous pouvez descendre maintenant, nous sommes amis! Mais c'est quoi ce bordel? Wesh! Oh là 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 là, mais c'est quoi ce bordel, mon gars? Mais c'est quoi? Mais ça. C'est une top? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, 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 on va revenir sur le jeu. Vous inquiétez pas, les amis, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Faut juste que je vois ce qui se passe par là. Il a l'air d'être parti, mais ouais, mais il fait peur en même temps, frérot, là. Banban, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas... Attends, je dois tout refaire, là? Non. Est-ce que ce type là-bas est un de vos amis? Non, mais... Vous pouvez lui dire de descendre maintenant. Je vais aller me cacher, parce que... Super peur, frère. Voilà, je vais me cacher, on sait jamais. Why? Wesh, il est en train de défoncer Banban. Alors, vous êtes mon libérateur, mais c'est quoi ça? Avez-vous reçu mon avertissement? Vous avez eu votre chance d'échapper à mon chaos? Mais c'est quoi ce bordel? Heureusement que je me suis caché, mon gars. Ah, mais va te laver les dents. Ouais, il y a Jester, mon gars. Il y a Jester, il l'a défoncé. Ou alors, il s'est fait défoncer. Ouais, mon gars, mais c'était quoi ça? C'est le roi des tops. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je peux quand même partir d'ici ou... Je peux toujours pas partir d'ici? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je vais pouvoir ouvrir ça. Donnez-moi une arme, là. Donnez-moi un flingue que je le bute parce que là... Allez, là. Allez, allez. Allez, allez. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Ça prend du temps. Il est lent, celui là. Allez, hop. Oh, oui, oui, oui. C'est bon. Merci beaucoup pour la carte. On se barre d'ici. Par contre, j'ai peur que la top, là, revienne, là. Monsieur la top. Vous êtes par ici? J'ai très peur. Ok, il a pas l'air d'être là. Bon, Banban ne va pas très bien. Je vais te laisser te reposer, mon petit Banban. Jester, il s'est fait défoncer. Il a voulu nous aider, hein. Merci, Jester, hein. Franchement, c'est vraiment super sympa de ta part, mon petit Jester. Regarde, je te marche dessus. T'es vraiment super sympa, mon petit Jester, parce que sans toi, on serait fait défoncer, hein. Bon, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir en arrière, c'est ça? Nous sommes de retour dans la salle, la grande salle, mais sans Banban, du coup. Ah, attends, c'est-à-dire que la porte... Ah, bah oui, j'ai récupéré la clé violette. Donc, normalement, cette porte, ça devrait être ouvert. Du coup, on a plus Banban et on a plus Jester. Donc, est-ce qu'il y aura un nouveau personnage? Peut-être Sheriff Toaster, on va le retrouver. Je sais pas du tout, est-ce que Michel il est là? Non, Michel il est toujours en train d'être en congé, je sais pas. Il est en train de dormir, frérot. Hop, on va descendre juste ici. Il y a encore un interrupteur. J'ai très très peur. Ok, ça devrait être bon. Allez, s'il vous plaît. Oh là là, encore des casse-têtes? Oh, un casse-tête, bien évidemment. Restons ensemble. Wow, Jester! Mais attends, mais tu t'es pas fait défoncer, mon gars? Attends, mais je croyais que tu t'étais fait défoncer. J'ai mal à la tête. Avez-vous vu où est allé Sir Dadadou après notre escarmouche? Sir Dadadou? Dadadou? Attendez, je connais cet endroit. L'interrupteur devrait être sur le bureau. On le sait, mais une entrée ne sera pas facile. Ok, d'accord. Nous devrions activer les quatre serrures de la porte depuis ici. Mais elles doivent d'abord être réparées et elles ont besoin d'électricité. Oh, il y a encore un truc d'électricité. Je peux les réparer s'il y a du courant, mais je me souviens que le shérif avait installé l'interrupteur pour qu'il alerte toute l'installation de notre emplacement s'il était activé. Ouais, donc il y a un truc de courant, je sais pas quoi. Cela déclencherait une alarme. Ça attirait sûrement des gens bizarres. Ok, ouais, il y a un truc à faire. Si vous pouvez me courir d'en haut pendant que je répare ces interrupteurs ici, nous pourrons être rentrés dans ce bureau. Ah, d'accord, tu t'occupes du bas et moi je m'occupe du haut. Ok, pas de soucis, frérot. Je suis prêt quand vous l'êtes. Ok, bah nickel, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un truc de report. Pour résumer, les amis, il parle du cas numéro 8, alias The Spider, donc l'araignée, apparemment. Elle a fait des morts, elle a tué des gens. Et quand ils s'en approchaient, les amis, et bah ils se faisaient défoncer, littéralement. C'était les gens qui voulaient des expériences sur le cas numéro 8. Et du coup, ils se sont dit, bon bah, au lieu de l'approcher, on va essayer de le piéger. Voilà, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, donc je dois mettre sur l'électricité. Comme ça il va pouvoir le faire, c'est ça? Attends, attends, ah oui, mais je dois activer d'abord l'électricité. Ok, je pense que j'ai à peu près compris. Il y a un bouton rouge, Eyes on the ceiling. Attends, 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 attends. Start reboot.
Ok, pas de panique, c'était prévu. Le plafonnet doit être chargé. Gardez vos yeux sur les 12 lumières autour de moi. Si elles deviennent rouges, pointez-les sur un poteau lumineux vers elles. Comment ça, s'ils deviennent rouges? Si trop de personnes deviennent rouges dans votre interférence, nous sommes foutus. Mais comment ça, mon gars? Et qu'est-ce qu'il parle? Les yeux sont également au plafond. La lumière là-haut doit être rechargée après chaque utilisation. Comment ça, recharger? Les voilà. Wow. Ok, attends. Je dois aller découvrir Beetle Giggle. Voilà, je suis en train de te couvrir, mon gars. Je t'ai mis de la lumière sur toi. Mais mec, je comprends rien. Je dois recharger. Je sais pas, mon gars, je comprends rien. Oh, je comprends rien du tout. Attends, je dois mettre de la lumière là. Je comprends rien. Mais je dois faire quoi? Je comprends rien. Oh là, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop, je recharge. Ouais, c'était quoi ça? What? C'était quoi? Attends. Je suis en train de couvrir. Je suis en train de le couvrir, mais je sais pas comment faire. Attends, je dois mettre de la lumière sur eux. Et dehors. Ok, d'accord, je dois... Ah, ok, d'accord. Ok, la droite. Voilà, le deuxième, mon gars. Voilà, tu viens... Ouais, le plafonnet doit être chargé. Mais il doit être chargé de quoi? Ah oui, je dois charger là. Je dois charger là-bas. Ah, Je vais me faire défoncer. Voilà, c'est bon, c'est chargé. Let's go. Ensuite. À droite. J'ai fail. Ah non, c'est fini, j'ai fail, je crois. Oh là là. Ouais. Ok, d'accord. Wow, mec, j'ai à moitié compris, hein. Franchement, j'ai vraiment à moitié compris. Ah là, c'est vraiment compliqué, bordel. Done. Ok. Wow, punaise, j'ai mis littéralement 20 minutes à activer l'interrupteur et revenons en arrière. Je ne veux pas passer une minute de plus dans cet endroit. Moi non plus, ça fait littéralement 20 minutes que j'essaye d'y arriver. Je transpire, je n'en peux plus. Ce jeu est beaucoup trop compliqué. Je veux sortir vite d'ici. Allez. Je me casse. Là, il y a une lettre, j'en ai rien à faire. C'est bon. Ça va pas me saouler 20 ans, ça. Oh, je n'en peux plus, les amis. Oh, je vous jure qu'on est en hiver, mais pourtant, j'ai l'impression qu'on est en été, là. C'est n'importe quoi. Merci, mon petit gesteur. C'était vraiment super compliqué. Bon, on va pouvoir se barrer d'ici. Allez, hasta la vista. Attends, c'était pas par là-bas plutôt? Bon, allez, on va dire que c'est par ici. Allez, on se casse d'ici, mon gars. Ah, bah, les lumières s'allument quand je passe. Bon, bah, c'est nickel. J'ai pas besoin d'utiliser Michel. Ça fait plaisir. On va retourner là où on était, les amis. Enfin, on va pouvoir revenir. Il y a encore des bruits un petit peu bizarres tout autour. Il y a Stingerfin qui nous attend encore là-bas. Attendez, nous devons parler. Quoi? Qui m'a parlé? Jester qui me parle? Tu veux parler, mon petit Jester? Devons parler. Bah, ouais, on va parler. Nous avons fait de grands progrès jusqu'à présent. Et cela me remonte vraiment le moral. Ouais, ça me remonte grave le moral. Ouais, t'inquiète. Je suis du mal à raconter une blague. Vous êtes prêts? Non, mais non, on ne veut pas de tes blagues. Comment appelle-t-on un crapaud qui est contrarié? Je sais pas. Mécontent. Un crapaud contrarié, mécontent. Ah ouais, c'est... Trop drôle, comme van. T'inquiète, ouais, vas-y, c'est vraiment super drôle, vraiment. Avez-vous entendu ça? Ah, mais c'était pas ça qui rigolait? Il riait. De quoi il riait? What? Il y a Nabnab là-bas qui est... Oh, il y a aussi un... Wesh! La dernière fois que j'ai raconté une blague, tout ce que j'ai entendu, j'ai pas lu. Wesh, il y a Banban... Mais il y a tous les personnages. Attends, mais mec, il y a Kittizurus, il y a Nabnab, il y a Stingerfin. Il y a tout le monde, wesh. Qu'est-ce que c'est ça? Non, Nabnab, il est capturé. Regardez la tête qu'il fait. Bien fait pour toi. Wesh. Kittizurus, tu m'avais pas trop manqué parce que tu fais quand même un petit peu flipper, je vais pas te mentir. Et il y a Jester qui... Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu cours? Quoi tu cours? Attends, tu vas pas aller taper Banban, hein? Tout ce que nous avons besoin, c'est d'un interrupteur supplémentaire et nous sommes prêts à saisir le sceptre. J'imagine qu'on pourrait dire que notre journée ne sera pas terrible bien longtemps. Ouais, super. Pourquoi il rigole à tout? C'est pas drôle, tes blagues ne sont pas drôles. Il s'est passé quelque chose? Rien, c'est étrange. Je suis d'accord, Sir Daladou. Ne prépare rien de bon. Donc, Sir Daladou, c'est le gars qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Nabnab s'est montré, bien que je ne sois pas sûr. Il a essayé certaines de ses manigances habituelles, alors je l'ai mis en cage. De plus, votre ami Grand Chat est entré ici comme s'il connaissait l'endroit. Je n'ai pas osé m'en approcher. En même temps, comment tu veux t'approcher de ça, frérot? Vraiment? Il faut que j'aille la voir. Elle fait partie des rares personnes qui apprécient mes blagues. Stingerfin voulait dire un mot. Ça fait bizarre d'être à nouveau du même côté après tout ce qui s'est passé. Voilà, je le sens mal. Stingerfin qui parle, ça sent pas très très bon, les amis. Mais il va où comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il va parler à Kittizurus? T'es bizarre à le regarder comme ça là, mais c'est vraiment super bizarre. Et Stingerfin, il n'a rien à nous dire? Mon petit Stingerfin, tu m'avais manqué! T'as quelque chose à dire, mon petit Stingerfin? Il a pas l'air d'être... Oh! Je voulais vous faire savoir que tout cela arrive à cause de vous. Vous ne convainquez jamais du contraire. Ouais, mais t'es toujours en train de dire que c'est à cause de moi, que je suis le mal incarné, nanana. Si vous n'étiez pas intervenu dans mon plan ou dans celui de la reine, vous seriez à la maison sur votre lit bien chaud. Quoi qu'il en soit, il y a autre chose que je veux vous montrer. Oh là, qu'est-ce que tu veux nous montrer là? J'ai très très peur. On dirait bien que vous en avez besoin. Oh non, c'est parti, il m'endort encore une fois. On va aller dans un rêve et il va nous parler de son passé. Oh là là. Allez, qu'est-ce qui se passe? Oh,
Oh, what? Oh, what? Oh, le mec, ils attendent le bus. Bonjour, monsieur l'endormi. Wesh, Captain Fiddles. Vous auriez dû continuer à dormir, nous attendons toujours le bus. Peut-être dormir un peu comme au pilote. Elle est en train de dormir, ouais. Un peu, elle dort depuis des jours. Mais mec, oh, y'a le bus est là. Ah, let's go, on va pouvoir aller quelque part. Finalement, on va pouvoir prendre le bus. Eh ben, let's go, c'est parti. On peut y aller quand même, on peut bouger. Ignorer cela, ce n'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon bus. Bon sang, bonsoir, pourquoi faisons-nous tout cela? Je ne veux plus aller à la plage, je veux juste rentrer. Ah oui, c'est vrai. Oh, il y a Zolfus! J'avais pas vu. Ah, c'est vrai qu'il y a la plage! Nous pouvons pas, nous devons aller à la plage. Je vais être franc, je ne savais pas que ce serait aussi difficile d'atteindre notre destination. La plage, les amis, vous vous en rappelez dans le dernier chapitre? Un autre bus est là et personne ne veut converser avec une tête qui est moins utile que le siège sur lequel il est assis. Mais vous avez vu, il insulte tout le monde. Ouais, c'est quoi ce bus, frérot? Ah, il est tout crade. Vous savez qu'il a été cramé par quelque chose, mon gars. Revenez ici, ce n'est pas le bon bus non plus. Non mais Captain Fiddle, c'est pas le bon bus. Alors lui, il est coupé. Ah d'accord. Le Captain a été enlevé. Alors soit il a été enlevé, soit c'est lui qui allait directement dedans. Hein. Je réfléchis. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Nab-Nab. Wesh. Nous venons d'en perdre deux. Attends, il s'est aussi fait kidnapper. Ce n'est pas censé se produire. Nous devons les suivre. Attendez, c'est le bon bus? Ouais. Wesh. Ça. Wesh, on s'est fait renverser, mon gars. What the fuck? On s'est fait renverser. Ouais, j'adore parce que ça n'a aucun sens. En fait, bah, Garten of Man, j'aime bien aussi parce que des fois, ça part totalement en cacahuète, mon gars. Donc, il y a Nab-Nab qui s'est fait enlever. Il y a Captain Fiddle qui s'est fait enlever. Et nous, du coup, bah, on s'est fait renverser par le bus. Bah, c'est super, ça. Bon, mes amis, ça va être la fin de ce deuxième épisode sur Garten of Man chapitre 6. J'espère que ça vous aura plu. Et bah, écoutez, franchement, c'était super stylé. À part le casse-tête, enfin, l'espèce de d'épreuve où il y avait Jester qui devait réparer les espèces de lumière. Moi je devais faire, oh là là, j'ai failli péter mon crâne, vraiment, c'était super compliqué. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Wissam, gros bisous à la prochaine. Ciao ciao.